La parole vous est donnée. Aulaï, comment m'appelez-vous? Ok. Donne-moi de se dire un mot. Yo. Je remercie Sa Majesté pour l'honneur et mes choix de pouvoir m'exprimer devant cette majestueuse délégation, assemblée plutôt. Bon, je me présente, je suis Tidiane Abouakar. Je suis l'un des porte-parole de notre roi du Nigeria dans la province de Igbo, dans l'état de Osun State au Nigeria, qui avait effectué une visite d'amitié auprès de Sa Majesté il y a de cela à peu près 2 ans. Cette visite a été une visite vraiment mémorable et inoubliable, compte tenu de l'accueil que le peuple musulman a réservé à notre monarque. Beaucoup d'eau ont coulé sur le pont, mais de bonnes eaux. On est venu aujourd'hui accompagner les deux émissaires, les deux notables, les deux notables que le roi a dépêché auprès de son doyen pour lui exprimer sa gratitude compte tenu de sa visite en terre de, dans la terre de Bassam et en particulier en Côte d'Ivoire. Voici les deux notables qu'il a dépêché expressément. Nous serons venus plus tôt, mais compte tenu de la pandémie mondiale que tout le monde sait, le virus de coronavirus a freiné nos ardeurs un moment, un temps soit peu. Mais néanmoins, nous avons reculé pour mieux sauter. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est pour cela que le roi a souhaité que ces deux représentants viennent en Côte d'Ivoire ici et honorer l'honneur que vous avez fait à sa personne et au peuple nigérien. Sinon, nous serons, comme je vous l'avais dit, on serait venu un peu plus tôt. Bon, là, comme nous sommes en famille et que depuis lors, le roi nous appelait fréquemment pour nous dire qu'il faut choisir un jour, un bon jour. Tous les jours sont bons, mais il faut choisir un bon jour que nous pouvons venir remercier son doyen. Voilà pour cette raison que nous sommes venus aujourd'hui et profiter de l'événement de la Bissa. Donc, voilà succinctement le but de notre visite ici. Nous qui sommes là, moi je suis porte-parole, voilà un deuxième porte-parole qui est votre fils, que le roi nous a délégué ici. Nous sommes des porte-parole permanents en Côte d'Ivoire. Et il y a tant d'autres personnes aussi. Nous sommes vos enfants ici. Donc, mais nous ne sommes pas venus les bras ballants. Donc, le moment venu, nous allons vous présenter quelques présents et puis quelques dons que notre majesté vous a adressés. Et il renouvelle encore sa reconnaissance, sa gratitude et puis sa fierté de connaître, d'être venu ici dans le peuple Zima. On vous remercie. Nous remercions vivement Sa Majesté royale et le peuple Izima pour la considération qu'ils ont envers nous. Nous remercions le roi et le conseiller par rapport à deux bouteilles de liqueur qu'ils nous ont offert gracieusement. Ça nous tient à cœur. On vous remercie. Au nom de toute la délégation ici présente, je vous dis merci. Que Dieu Tout-Puissant glorifie tout le peuple Izima. Je vous remercie.